bienvenue au studio Polfit. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur l'OpenV ou autrement nommé le chopper. C'est-à-dire, on se met sur la barre et on ouvre les jambes en V. Donc, pour comprendre cet OpenV, pour le réussir, il faut déjà l'étudier pas après pas, simuler au début au sol et ensuite debout, puis enfin on l'exécute et on le contrôle. Donc, pour vous permettre de réussir cet OpenV, je vous propose 6 éléments à avoir en tête. Et je vais vous montrer pas après pas ces 6 éléments. Mais d'abord, je vous montre la figure et ensuite, je vais vous montrer la variation que j'utilise pour apprendre l'OpenV à mes étudiants. Je vous montre. Voici donc notre fameux OpenV. Et voici la variation que je propose pour apprendre l'OpenV, c'est-à-dire envoyer une jambe sur la pole, comme ceci. Tout d'abord, le premier élément à comprendre, c'est l'intention et l'impulsion de la jambe externe. C'est elle qui va vous envoyer très loin et très haut sur la pole. Vous devez y mettre de l'intention d'arriver à tout prix sur le point que vous êtes fixé du regard. Je vais vous montrer ceci avec l'exercice en variation. Tout d'abord, que vous sachiez un élément de base de l'OpenV, en tout cas de ce grip-là, sachez que la partie interne de la pole, la main interne, se situe sur la partie basse du visage. Quant à la partie externe, elle va se mettre au-dessus de la main. Attention, on ne met pas les mains l'une sur l'autre. On sépare bien les mains. Donc je me place toujours en pointe et je vais donner l'intention à ma jambe externe d'atteindre le point que je vais fixer des yeux. Je ne lâche pas de regard et je veux à tout prix que ma jambe parvienne en haut. Il faut donc travailler le lancer de cette jambe. Je vous propose tout simplement de vous mettre dans cette position et de lancer votre jambe le plus possible, le plus fort possible. Vous aurez besoin d'étudier cette force pour qu'elle puisse vous emmener très haut sur la barre. Ça, c'est un premier point très important si vous voulez éviter de gaspiller votre énergie dans des sauts qui ne vous emmèneront nulle part. Ensuite, dans ce mouvement, on se hisse, on pousse sur ses épaules. On ne fait pas qu'envoyer la jambe, on exerce également une pression dans les épaules pour aider la rotation du corps. Donc pensez bien à solliciter vos épaules. Également, on a besoin de l'impulsion des hanches et donc du travail des abdos. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais des vidéos sur les abdos, pour les renforcer. C'est extrêmement important pour garder les épaules, les hanches bien hautes. Je vous montre. Pour me permettre d'arriver bien en haut, il faut que je donne une impulsion depuis les abdos et la hanche. Sinon, la plupart des débutants font cette erreur-là. Ils lancent la jambe et d'après vous, où est-ce qu'ils vont atterrir ? Sur la main externe, comme ceci, regardez. Beaucoup arrivent ici et peinent ensuite à monter. C'est un gaspillage d'énergie conséquent. Ce qu'il faut, c'est non seulement donner une impulsion depuis les hanches, je vais vous montrer comment on fait au sol pour travailler cela, mais en plus de ça, c'est orienter votre regard le plus haut possible pour aller chercher le plus loin possible.
J'ai eu peur également, mais je vais vous donner des petites astuces pour travailler cette peur-là. Ensuite, bien sûr, pour rester dans la position de l'open V, il faut conserver ses hanches bien hautes et bien droites, ce qui fait appel aux abdos. Donc je vous conseille de vous coller à la peau. Je vous montre. Pour garder vos hanches bien droites en direction du plafond, ma jambe interne ici est collée à la pole. Laissez-moi vous montrer. Ici, en interne, j'ai la hanche collée à la pole, ce qui me permet de garder la position droite. Si je suis trop loin de la pole, automatiquement, avec la gravité, mon corps redescend. Si je suis là, je lâche. Mais si je reste collée à la pole, je conserve mon équilibre. Ensuite, le dernier élément à retenir, c'est de maîtriser votre équilibre avec les jambes. Les jambes forment un balancier. C'est votre moyen de garder votre équilibre et de conserver votre open V et surtout de ne pas tomber au sol par manque d'équilibre dans les hanches. Donc on se sert de ces jambes pour les mettre en balancier. Alors les jambes, non seulement il faut les tendre et être en pointe, mais il faut également les placer le plus bas possible. Car plus vous les mettez haut et plus c'est difficile, je vous montre. Je les mets bien bas et je les ouvre. Elles me servent de balancier pour conserver mon équilibre. Et je les descends le plus bas possible. Ici, je garde mon équilibre dans l'open V sans presque faire d'effort. Gardez donc ces 6 éléments en tête lorsque vous étudierez votre open V au sol et également debout. Maintenant, passons à la pratique de l'apprentissage de tous ces éléments. D'abord, on va travailler l'open V dans sa variation et l'open V au sol. Je vous montre. Je vais donc venir à côté de la pole, comme si j'étais debout, et je vais venir ouvrir les jambes de l'open V, comme ceci. Essayez d'avoir un miroir à côté de vous pour vous rendre compte si vos hanches sont droites. Vous revenez et
pas me faire partager vos impressions, vos commentaires. Et retrouvez-moi sur YouTube pour plus de vidéos. À bientôt et bonne chance!